Donc, quelques éléments qui m'ont apparu notables, des enseignements en quelque sorte de nos deux journées qui étaient très riches, des éléments qui peuvent être des confirmations, hein, et puis d'autres qui étaient plus des découvertes. Moi, il m'a semblé que ça nous confirmait ce que l'on a observé déjà par ailleurs à Oka, c'est-à-dire que c'est un univers mouvant qui est encore dans des équilibres instables, que ce soit du point de vue économique, du point de vue des formats, du point de vue des usages. On constate bien qu'il y a une tension persistante entre une origine assez, que je qualifierais d'un peu libertaire, hein, on voit bien et combien certains entendent d'ailleurs la perpétuer. Il y avait en Belgique ce manifeste pour garder un peu, j'allais dire, pur la logique du podcast. Et puis de l'autre côté, une appropriation, tension donc avec une appropriation capitaliste qui induit non seulement la professionnalisation, mais aussi la plateformisation. Hein, et que donc, on a déjà un véritable marché hein, du podcast et un marché qui est, c'est ce qui nous apparaît quand même très nettement à travers les différents exemples qu'on a eus dans différents pays, un marché qui est déjà en partie saturé, je dirais, au sens où il y a énormément de choses et que effectivement il y a des stratégies qui commencent à être, qui ont dû être lancées, des stratégies de différenciation. Parce que maintenant, un des enjeux, c'est pas seulement de produire un podcast, mais c'est d'être rendu visible dans le podcast. Autre point qui me paraissait très notable, qui fédère pas mal des interventions, c'est que le podcast est bien devenu un média. Ça paraît assez évident, mais qu'il reste aussi une forme culturelle qui repose. Donc une forme culturelle au sens un élément peut-être de contre-culture, un élément qui permet à des gens de prendre la parole, etc. Et qui dans les deux cas repose quand même aussi, ça m'a beaucoup frappé à travers les exemples qui ont à chaque fois été cités, beaucoup quand même sur l'interview et la conversation. Hein. Donc quand même on voit que ça a l'air manifestement dans les différents pays du monde. D'être un modèle quand même dominant, qui dit podcast se dit, tiens, qui je vais aller interviewer, avec qui je vais faire des conversations, même s'il existe d'autres formats. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que le podcast, l'audio peut-être en général, mais m'apparaît comme un efficace connecteur social. On a vu pas mal d'expérimentations, pas mal de modèles qui ont été mis en place, qui arrive à créer des communautés, à fédérer des gens, etc. Et je trouvais que c'était très intéressant de souligner cet aspect outil de connexion, y compris comme dans les expérimentations à l'école, où finalement on nous disait que un des effets, c'est pas seulement que les enfants parlent entre eux, mais que c'est un élément de communication avec les parents, d'aller au-delà, etc. Ce qui m'a paru notable aussi, c'est la grande richesse des productions, des formats, des usages, ce qui prouve donc que c'est bien un média et que donc c'est un terrain de recherche riche dans le cadre des Media Studies. Et je suis ravi qu'on ait eu l'idée au CARIS il y a 2 ans et demi de se dire, tiens, après tout, faisons un programme de recherche centré sur le CARIS, sur le podcast. Au charisme, parce que précisément, ça me paraît, on avait raison de le faire grâce au retour de collègues qui, eux, travaillent depuis un peu plus longtemps que nous sur ces questions, notamment parce qu'un certain nombre viennent, même beaucoup, ça aussi, ça m'a beaucoup frappé, viennent de l'étude de la radio, hein, et que le podcast devient l'élément, comment dire, complémentaire. Ce qui n'est pas le cas dans le truc qui sont ici réunis. Autre élément intéressant de voir combien le podcast, avec sa relative simplicité, son faible coût, la bonne image qui lui est associée, beaucoup d'intervenants ont à un moment ou à un autre dit que dans les interviews, dans les sondages, il y avait des images très positives qui étaient associées
au podcast, dans l'opinion publique, même chez des gens visiblement qui ne doivent pas en écouter souvent, mais en tout cas, j'allais dire, le podcast a bonne presse, eh bien, je pense que ça peut permettre de développer plus facilement, d'abord des expérimentations, et puis aussi de la recherche-action, de la science appliquée. Ça m'a beaucoup frappé aussi dans quelques cas qui ont été exposés, et je trouve que c'est riche, et je trouve que ça devrait être une source, de mobilisation pour nous au sein d'Opcast, de se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a développé de la recherche sur le podcast, comment on peut peut-être appliquer cela. Autre enseignement, la réception a été assez absente de nos études ici pendant ces 2 jours, autrement que statistiquement, je veux dire, parce que statistique, on a pas mal de choses, et je pense qu'il y a lieu de s'en occuper à l'avenir, et ça tombe bien, puisque un des work packages du projet ANR qu'on espère pouvoir obtenir de l'Agence nationale de la recherche est justement centré sur la réception à travers des études quali et quanti. Autre enseignement, le poids des archives. On a vu pas mal de choses sur des chiffres, l'ampleur des podcasts qui ont été créés. Et maintenant, ça s'accumule, j'allais dire, à un rythme effréné. Et je pense qu'il y a urgence dans chaque pays à ce qu'il y ait un travail de recension, de protection, d'indexation qui soit mené pour faire en sorte que ce stock devienne vraiment une archive vivante qu'on pourra exploiter pour des recherches futures, notamment comme témoignage et témoignage de premier niveau, puisque dans ces podcasts, il y a énormément d'interviews, il y a énormément de témoignages. Donc, c'est un matériau extrêmement riche pour des travaux futurs sur ce qu'étaient les témoignages d'une époque, sur ce qui se disait à un moment donné, dans un pays donné. Donc, je suis ravi qu'on ait cette coopération avec l'INA, justement, sur l'indexation et autres. Il va se poursuivre à travers un contrat avec Maël pour faire en sorte de contribuer à notre modeste rôle de chercheur, mais aussi à ce dépôt légal et à faire en sorte que ça devienne un jour quelque chose, un fonds accessible. 2 derniers enseignements. Moi, je pense qu'il y a effectivement 2 mots-clés que je mettrai en évidence par rapport à tout ce qu'on a entendu sur ces 2 jours. Le mot-clé hybridation et le mot-clé tension. L'hybridation et les tensions par rapport aux situations où nous sommes. Hybridation-tension entre les contenus radio et les contenus audio natifs. Hein, on s'est posé la question, en quoi c'est un héritage de la radio, en quoi c'est le prolongement ou pas. Hybridation-tension entre contenu amateur et contenu professionnel. Entre contenu audio exclusif et puis contenu audio-vidéo. Alors, on s'est posé la question, est-ce que les vidéos, c'est aussi du podcast? Certains l'appellent comme ça, mais est-ce que nous, on le garde ou pas? Enfin, il y a pas mal de choses. Entre paroles ordinaires et paroles de stars, parce que on a beaucoup mis en avant le fait qu'au départ, au démarrage, les podcasts, c'était justement donner la parole à des gens ordinaires. Et puis, on voit qu'une des tendances lourdes, maintenant, c'est les influenceurs, c'est etc. Donc, on est complètement diamétralement opposé des origines. Hybridation et tension entre audience de masse et audience de niche aussi, puisqu'on voit qu'en effet, dans certains cas, certains sont des médias à part entière capables de drainer des millions de téléchargements et d'écoutes, et puis de l'autre côté, on l'a vu, ce côté long train, donc d'audience de niche avec très peu de téléchargements, mais qui peuvent être tout à fait judicieux d'étudier parce qu'ils sont très présents dans une petite communauté qui s'accroche à ces podcasts. Et puis également, hybridation, tension, tous ces mots-là, avec l'idée qu'il y a des contenus qui sont très inclusifs, qui favorisent un effort démocratique, etc. Et puis au contraire, des contenus réactionnaires, comme on l'a vu. Bref, pour conclure, je dirais que pour moi, ça me paraît conforter pleinement l'idée que c'est un terrain de recherche à investir massivement. Alors, pour les collègues français, puisque on a plutôt du retard par rapport à d'autres pays sur le podcast, hein, je pense que ça conforte, je l'espère, chacun dans l'idée que c'est vraiment un terrain à s'approprier, et bien sûr dans les coopérations internationales, et que
J'espère que chacun, pas seulement l'équipe Opcast, mais notamment l'équipe Opcast, évidemment, se dit que, on a vocation à travailler avec les uns et les autres qui nous ont rejoints ici et qui peuvent venir frapper à notre porte. On les accueillera, bien volontiers pour participer et coopérer. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques enseignements et je donne la parole aux deux autres organisatrices, et notamment Flore qui a fait sur l'aspect logistique. C'est vraiment, c'est le maillon. Si tout est aussi bien réussi, c'est vraiment grâce à elle et je voulais vraiment le dire avant même que Marie-Eva le dise aussi, sans doute. Dernière minute, je deviens de plus en plus longue, je pour vous, simplement pour passer par les traditionnels, ça marche. Remerciements déjà, bah, remercier tout le public qui a suivi assidûment ces 2 jours. Avec un programme bien, bien chargé, mais ô combien stimulant. Merci à vous d'avoir fait cette tentative de synthèse, un exercice, on sait que c'est très compliqué. Merci évidemment à tous les participants, les participantes, hein, pour ces communications bah, qui fait de ces 2 jours un succès, en tout cas, c'est mon point de vue. Je vais le partager. Merci également enfin aux 4 keynotes invités, Marta Perrotta, Martine Spinelli, John Sullivan et Richard Berry, qui nous ont fait l'honneur de leur présence avec des travaux vraiment, vraiment enrichissants et sur lesquels on doit s'appuyer pour continuer en France à développer les podcasts studies. Je continue mes remerciements avec évidemment, il faut citer le comité scientifique, hein, sans qui bah, ce colloque, les propositions n'auraient pas pu être acceptées, tout simplement, ou refusées. Lucie Alexis, Maëlle Bazin, Hélène Bourgelois, Marie-France Chambérillon, Pauline Escamps-Gauthier, Hervé Devarec, Agnès Grandfait, Tristan Matelard, Cécile Méadel, Sophie Noël, Chloé Salles, Brigitte Seba et Nathalie Sonnac, mais qu'ils soient remerciés publiquement pour la qualité du travail en tant que comité scientifique. Un grand merci également à vos laboratoires du Charisme hein, et particulièrement à Marie Charvy qui nous a aussi, on parlait de pièces maîtresses en termes organisationnels, on peut la remercier. Également Ninon Bounik, la graphiste qui a réalisé pour nous et pour vous, pour plus grand plaisir, l'affiche de ce colloque ainsi que le livret, hein, dont on est très fiers, de matériel. 3 minutes. Un grand, grand merci aux doctorants et doctorantes qui nous ont aidés sur ces 2 jours sur la dossier logistique, gestion des réseaux sociaux, gestion du café, par exemple, qui arrive, qui n'arrive pas, du fait. Donc, Tatiana Avila, Iris Gilou, Alice Breton et Lucas Pantier. Merci, merci, merci. Pour votre aide. Et je termine en remerciant mes 2 collègues à l'organisation, Arnaud et Flore Tulo. Et effectivement, Arnaud, particulièrement merci à toi, Flore, parce que tu as été, tu as eu un peu de premier plan sur l'organisation, La clé de voûte. vraiment, sur l'organisation de ce colloque à so many levels. Okay. So thank you, Flore. Thank Tu mérites, je pense, beaucoup d'applaudissements. Et bonne soirée. Si vous avez le bac, on veut bien le récupérer, le remettre dans la boîte. Et malheureusement, il n'y a pas de cocktail ce soir. Je suis navrée, mais ils vont peut-être être contents parce qu'on les a nourris, gavés, alors ils vont peut-être être contents. Ouais. Ah, mais je vais pas dire. Allez, c'est parti. Allez, attends. Allez, bon.